Attendez, ils se sont présentés. Donc on les met hors concours. Ils se sont présentés. Bah si, on les met hors concours. C'est dégueulasse. C'est les Américains qui ont inventé le rock. Ils ont inventé le rock. Parce que là, nous, on a tendance à dire de rock. Oui, parce que c'est intéressant. Non, non, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce que le rock, non, le vrai rock, c'est le les mecs, ils arrivent, ils te prennent les tables, ils te les renversent. Pas forcément. Non, si je suis pas d'accord. Pas forcément. Laurence et Thierry, je dirais Laurence, ce boitillement, d'abord que j'ai trouvé gênant, après j'ai fini par me dire est-ce qu'elle est en train de mimer qu'elle est handicapée. Ah, oui, que... c'est elle qui boitille. Oui, c'est... toi, ça t'a plu. Ça m'a, je sais pas, ça m'a bouleversé. Je trouve que c'est, oui, alors, c'est ça fait partie de la beauté de ce concours. C'est d'un coup, t'as quelqu'un qui arrive. Qui éclate un peu les standards. Est-ce qu'on est là pour faire de la discrimination positive? C'est ça la vraie question. En fait. Non, mais il veut pas savoir. Bah oui, à un moment, bah parce que elle a un problème physique, donc sous prétexte qu'elle est handicapée, est-ce qu'on va lui mettre une bonne note parce qu'elle s'en sort bien, parce qu'elle est normale entre guillemets. C'est pas ça qu'il raconte. C'est pas ça qu'il dit. Le fond, c'est ça. Non. Mais est-ce que c'est pas nous qui boitons? Est-ce que c'est pas nous qui? Je pose la question. Est-ce que c'est pas elle qui marche et nous qui boitons tous? Oui, c'est pas con. Moi, c'est ça que je me dis quand je vois arriver Laurence. Parce que moi, ce que je me dis, c'est qu'on pourrait peut-être regarder s'il y a des caméras de surveillance, avoir les enregistrements pour voir s'ils se sont garés au niveau du parking sur une place handicapée. Et là, on saurait si oui ou non. Non, mais ça, ça nous donnerait la réponse sur le. Mais c'est pas. Mais moi, je m'en fous pas. Moi, je m'en fous pas, Vincent. Mais foutre-moi. Je m'en fous pas. Mais il faut s'en foutre. Moi, je m'en fous pas. C'est une personne qui est handicapée qui mais a non, c'est pas une handicapée. C'est un petit schéma. Tu veux mettre les gens dans des cases. Tu veux voir des handicapés, des valides, des blancs, des américains, des français, des corses. Là, c'est de là-dedans. Là, on n'est pas en train de distribuer des allocations. Tout le monde. Pourquoi les handicapés, eux, ils ont des places particulières? C'est pas universel. Les handicapés, ils ont des places qui leur sont réservées. C'est pas universel. On n'est pas tous pareils. Mais oui, mais là, c'est pas. Ils ont des places réservées. Les handicapés, ils vont avoir des places réservées dans les parkings et ils vont avoir des places réservées dans les concours de rock. Ça, c'est un autre sujet. On leur fait une place spéciale. Ben non, c'est ça. Là, t'es en train de dire que la France est un pays d'assistés. Mais c'est pas nous. On va pas régler le problème autour de cette table. Il y a des Jeux paralympiques, c'est fait pour les handicapés. Il y a des concours de rock qui doivent être faits pour les handicapés. Oui, c'est tout. Elle triche parce qu'elle doit dire. Elle doit dire qu'elle est handicapée. Et moi, je dis. Bien sûr. Elle arrive, elle dit, je suis lesbienne, handicapée, et j'ai voté Macron. Non. Si, alors, je pose la question. Si elle serait mongolienne. Alors, si elle était. Si elle était mongolienne. Eh ben. Et alors, où est le problème? Elle a le droit de danser le rock, la mongolienne. Non mais je rêve. C'est pas possible. Après c'est non, dur. Fred. C'est dur de. Moi j'ai fait des ateliers en IME, IMP, IME. C'est dur de diriger, enfin de danser avec les trisomiques. C'est. Mais ils savent jouer du piano, ils chantent, ils savent tout faire. Non mais mal. Et ben alors voilà. Jugeons. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous avez été ému, vous avez aimé. Qu'est-ce que voilà, c'est tout. Comme les autres. Oh là là. Moi je note pas en tout cas. Moi j'ai mis 18. Allez, moi je note pas les handicapés. Voilà. Et je suis pas contre les handicapés. Ouais, c'est ça. T'es pas pour non plus, hein. T'es pas pour. On a le droit. Je suis pas pour des handicapés. Tu veux bien les handicapés, mais ils restent chez eux. Alors avant-temps des jeux pararock. Pararock, faisons des un concours pararock. Mais ils sont pas à ce point-là, elle n'était pas avec un fauteuil que je sache, elle était pas en train de danser comme disait Vincent en fauteuil. Mais qu'est-ce que tu nous fais? Il nous fait un pataquès là. Ils ont dansé, vous avez aimé ou pas? Point barre. Moi j'ai pas vu de handicap, j'ai vu quelqu'un qui avait un courage énorme d'être devant nous en ayant en effet, à mon avis, un problème de hanche et aller avec un pilier extraordinaire qui est son compagnon, qui c'est son conducteur et qui l'aide à surpasser ça. Mais quel courage! Quel courage! C'est son courage d'être devant nous, devant les autres, et d'être avec les autres qui n'ont pas de handicap. C'est ça qui est magique! C'est ça qu'on aime voir! Mais dans la vie, on est toujours empêché par des regards comme le tien! Pourquoi on est obligé de lutter tout le temps contre des regards qui nous empêchent de vivre? De vivre! Ah, 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 ah. On en est encore là!